Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rikai et je vous retrouve sur Imperator Rome pour la suite de la campagne contre la Macédoine. Trace de faire un accord commercial? Bah oui. J'ai bien les 1600 mercenaires ici qui veulent plus rien les pauvres gars. Dire à les potes de ce bête là. Une armée ici, enfin une flotte plutôt. Est-ce que je vais pas gauler leur. Est-ce que je vais pas essayer de choper leur. Putain, flotte, ce serait bien. Parce que là, ils ont presque tout. Par la Laconie qu'ils ont pas encore et c'est pour cela de l'Aetolia, ils ont toute la Grèce hein, les mecs. Les barbares, oh ils cassent les pieds les mecs. Ils vont à Héropolis, coucou. Bouge pas, regarde, t'as vu mon armée? Hop elle est là, elle est belle, elle va s'arrêter dans la gueule. Bon, victorieux. Est-ce qu'ils ont été massacrés? Non. Il y a un prince à côté. Le bien, c'est que si on les chope, ils seront massacrés définitivement et on pourra se faire un peu plus de pognon. Ça sert à ça les barbares, à faire du pognon aussi. Et voilà, c'est mort. 21%, allez, grouillez-vous. Niveau le cul, bande de barbares, bande de débiles. C'est quoi? Chargé. Alors, lui, il va pas casser les couilles, le chef de la famille. Donc, Satix Bassé, Sassanide. Tiens. Tu vas avoir un poste ici. C'est le chef d'une armée pourrie dans un bled éloigné. Moi, réellement, je sais comment j'appelle ça. Une sinécure. Faut un emploi fictif, hein, limite. Hein. Révolte Séleucide, bon bah fais-toi bouffer, je m'en ai rien à foutre. J'ai pas géré, moi je suis gentil, j'ai pas géré deux fronts en même temps les gars. Carthage, je peux pas te faire une alliance. Mais non, je peux pas la guerre, je peux pas lui faire parce que. Il est pas assez fort, c'est qu'une puissance majeure, moi je suis un empire. On va faire qu'une alliance avec un mec comme ça. Mais c'est hors de ma. C'est hors de mon rang. Ça va être honneur à dire vous c'est. Plus des trous pour faire ce jeu merde? C'est une blague? Oui. Phalange, 61%. Le code moral sur qui 115 disciplines.
C'est pas ce que je veux, moi je veux me tirer. Je veux qu'on se cache, j'ai pas eu qu'on perd trop d'hommes. En tout cas, c'est le Philippe est gagné. Grâce aux mercenaires qu'on va envoyer ici à Amphipolis. Ça, ils resteront de l'autre côté de la rive. On va envoyer tout ce qu'on peut ici. Et honnêtement, on va leur demander quoi, c'est con, on peut leur demander quoi? Vous faites votre fric. Je vais une guerre à la con, je veux pas m'en mêler cette guerre de merde. L'enfant est né. Super. Et eux là, au lieu de venir foncer, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se disperser. Regardez-moi ce con là. Ils auraient pu me défoncer s'ils avaient rassemblé toutes leurs troupes. Mais lui, il va pas venir. Erreur fatale. Mardienne, où on va le faire monter jusqu'à 190. Et après, on construit son intégration. Dans 5 ans. Ouais. 50 000 hommes. Oh! J'ai dit Banès Sassanide, voilà. Elle essaie de me filer un peu de pognon. Quelle gentillesse de sa part. Le mec, il a eu un emploi fictif. Qu'est-ce qu'il fait? Il me file des pognons pour son emploi fictif. Par contre, là, c'était une boucherie, là. Tu vas venir ici dans une province que je contrôle. Pourquoi? Parce que tu seras plus en drapeau noir. Parce que j'ai à côté c'est un territoire ennemi, donc du coup c'est un drapeau noir ces connards. Et après tu vas aller donc ici à Pella, la capitale. Et on est victorieux, bim. Alors, ouais, déjà on va annuler. Faut chier. C'est bordel ce truc là. Là c'est une armée donc c'est pas des mercenaires. On va se mettre en retrait, nous. On va envoyer nos vraies troupes, nos vraies armées par derrière. On va voir. Un citoyen m'a approché. Il a une vision dans laquelle il est trouvé par ses morts, tué par des circonstances mystérieuses. Oh. Non, on va juste le convaincre que c'est infondé. On va pas le tuer. C'est un bon Basileus. En fait, j'ai quand même bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que la plaie basse le croit. Traoren. Allez, hop. Je peux faire un claim? J'ai pas les points. C'est chiant. Gassifish, le Séleucide. Ah, voilà. Le mec, il me faut cosser, il me faut les morceaux de Séleucide ici pour pouvoir simplement, ben, réussir l'achievement de créer l'Empire Alexandre le Grand. D'ailleurs, je peux vous en dire, vu que je suis un... Je sais plus si je suis un Iron Man. De toute façon, avec les changements de version, je sais même pas si je peux vraiment avoir l'achievement. Bah, on sait quoi, on s'en fout. Les Mercos.
Par derrière, allez hop. Allez, fais un coup de main à votre pote. Il va se suicider ce con? Allez, il est mort. Suicide, il fait ça quoi épée. Il est le 8 avril. Oh, putain de merde. Bon, il est plus gros ce connard, donc ça devrait aller. Vous êtes retourné où? Vous êtes pas jusque là les bandes de glandus là? Mais si, si, ils vont jusque là-bas, hein, c'est con. On va laisser derrière, comme ça c'est eux qui vont prendre l'attrition. Pourquoi c'est le but du gars à contester? Ouais, fait pas chier le jeu. Moi 25, ouais ok, j'ai pas la... T'inquiète pas, dès que j'aurai la Macédoine, c'est bon, on sera plus contesté. Faut quand même choper assez vite ce putain d'objectif de guerre. Hein. Ça va être chiant. En plus, après, il va falloir que je prenne Dion. Bien sûr que ce sera un Digugus dans la garnison. Est-ce qu'un fort niveau 1? Il n'y a pas de forteresse dans sa capitale? C'est un beau con de sa part. En plus, ça fait une brèche. Manpower, ouf. En plus, le problème, c'est que ce con là, il est gardé par l'Empire Séleucide, donc il faudra que je recasse à nouveau la gueule aux Séleucides. Bon, c'est pas le plus chiant, mais bon. Ah putain, il contourne, l'enculé, il contourne. Regardez-moi ça, c'est enfoiré, il contourne. Bien joué, fils de pute. Bon, vous les déchets là, vous revenez quand? Vous courez de revenir les mecs hein. Voilà, vous grouillez. Il va Syrah. Et là, on va tout au-dessus, l'abruti. Évidemment, on va accepter le business avec les alliés. Regardez, il a hésité. Il n'a pas voulu venir. Ah, s'il est venu, mais trop tard, il n'a plus assez d'hommes. Pas assez d'hommes, pas assez de morale. Ça va être un peu de juste là par contre les mecs. Je vous avoue quand même.
Pella pillé. Pella fait gagner le siège. Bien. On va envoyer une armée au nord. Les autres ici. Vous allez à Dion. Ça, le logis de guerre sera pris. Il n'y aura plus qu'à casser la gueule aux armées ennemies. Voilà. Le pourria, c'est gagné. Bon là ça commence un peu à galérer donc on va quand même leur filer un coup de main, envoyer des troupes. Allez c'est quoi ces cons là? Tu vas faire un ordre, tu me reprends ça oh. On va pas laisser récupérer la Macédoine. Le but c'est sûr qu'ils prennent pas les provinces de Macédoine. Bon, c'est visé ce combat, c'est bien plus ridicule qu'autre chose, les gars. Syrah, victoire, bim. Et on reprend cette province. Et on reste là derrière à se stacker. Je vais finir Taoren, après ce que je vais faire c'est que je vais attaquer à peut-être Garamea. Garamea, regardez le problème c'est que il est allié avec les autres petits cons. C'est-à-dire Kosoi, Irkania et Antiokerka qui est là-haut. Ça me permettra en fait de tranquillement pouvoir bouffer les petites chures. Oh, ce que je vais faire en fait. Vous me les baisez les petites armées là, vous les massacrez. On va faire croire qu'ils galèrent contre ça les gars. Ah bon. En tout cas les armées là ça commence à piquer un peu du fion. Ce sont mes armées qui étaient là, j'avais des armées de troupes. Reculez-vous là, ce que je vous ai recruté, bon, le recruté c'est juste. Genre comme le fait que mes hommes soient un petit peu lâches et puis ben restent derrière.
pour gagner manpower. Bon, parce qu'en fait, les mercenaires, c'est tellement. Coûte tellement cher ces conneries. Les sacs du connard qui arrivent là, vous pas croire que vous avez pas vous avez gagné et vous avez pas contre les. En gros il me manque en fait les deux petits morceaux ici là où il y a des bastons. C'est des fumées. On va tout ce qu'on peut, hein. Bim. Un gouverneur corrompu, emprisonné, en tôle. Faut chier ces connards là avec leurs armées. Bon, on va envoyer le deuxième, ce stépéide. Voilà, on va peut-être pouvoir les baiser là, c'est con. Leur piquer le fort. Voilà. La grosse armée de la Macédoine, là, on va l'envoyer au sud. Massacrer ce fort-là. On va l'envoyer piller les villes. Il manque un gouverneur en Cappadoce. Alors, on va mettre un Ibide. Tu vas rendre les gens plus heureux et tu feras pas chier. En vrai, l'Empire commence vraiment à ressembler à quelque chose. En plus, on va débarquer. Il débarque quand, cet abruti? 10 août. Ou putain, ils auraient débarqué avant que je puisse les arriver. Ah, mais encore toi aussi, quand même, j'avais oublié. Bouge pas, mon gars. Et c'est, j'ai occupé la Macédoine, c'est parfait. Non, on va essayer d'en prendre plus quand même, parce que là je veux dire, je peux encore prendre plus. On va essayer de se prendre la province qui se trouve ici, et puis celle-là, hein, quand même. Si on peut user ce connard, hein. Oh. On va essayer de prendre celle-là en plus, les deux là. Hein. Je vais pas prendre les pierres tout de suite. Pourquoi la chose a pris prend très cher. Encore pas. C'est drôle, je gagne plus beaucoup les Jeux Olympiques, ça me fait un peu chier ça. À l'époque, je gagnais quasiment tout le temps, mais là, j'ai beau envie des mecs qui soient hyper balèzes. Lydie Cappadoce fout toujours la gueule, ça change pas depuis le début de la game. Enfin, depuis le début, je les ai conquis plutôt. Là, par contre, là, on va pas être copains. Là, il se barre. Tu m'étonnes. Là, faut que j'ai capturé des galères. Non, je n'ai pas trouvé une qui est à 3%. On va réparer un peu tout ça.
C'est quoi son anniversaire à 1500 pécores? C'est le mec qui a dû acheter. Et à qui j'ai que j'ai défoncé. Et du coup, ben. Bon, j'arrive avec mon allié à prendre la forteresse ici. Ouais, splendide. Une amitié, c'est bon. Il veut la Syrah. Il va essayer de reprendre la prendre de Syrah pour me faire chier. Je le sais. Là, par contre, il faut prendre le fort, ce serait pratique. Et vu ce qu'on va avoir une mauvaise direction. Bon, je vais le faire moi-même, prendre Eriatrée. C'est que je comprends pas le principe des provinces qui changent de capitale là. Je peux le faire ou pas? Attendez. Je vais reprendre une province ici par exemple. Phrygia. Ah, un petit bouton là, je sens sur la capitale de la province. Regarde si je. Si je pouvais changer, moi aussi, je le ferais. Hein. Parfait. Là, c'est tombé. On continue. Non, il m'a repris le truc là-haut, fait chier! Oh, c'est quoi ces mercenaires en carton qui se font plus vieux à la gueule là? Non, c'est bon, ils ont pété la gueule, c'est bon. Oh. Bah, t'es déconné là, c'est bon. Voilà, c'est bon, on les retrouve. On les a fumés. Vous me reprenez ça, merde! C'est un peu chiant ça! Là, regardez, vous avez vu ça? Anturvan Pandia, vous verrez les Beg Dragged arrivent à votre cour, demandant protection des plans de Pandia. Cet homme est un frère du dirigeant, d'accord, et serait, comment dire, héritier de la ligne du trône. Ah! Donc un héritier du trône qui pourrait justement, ben... C'est où Pandia? Donc cette merde-là, qu'est-ce que je voulais en foutre, là? Monter sur une croix... Honnêtement, je veux dire, Sri Lanka. Monter sur une croix, il sera bien, voilà. Je sais même pas pourquoi il est venu dans mon pays, c'est pour trouver de l'aide. L'aide pour je sais pas quoi. Honnêtement, j'avais vraiment pas grand chose à faire de ce mec. Hein. Par contre, le fait que les forteresses changent comme ça me gonfle. Je vous le dis clairement. Au con. Si tu veux vraiment jouer avec les forteresses qui changent de place, pas de problème. L'avantage c'est que la Macédoine c'est gros mais bon c'est tout seul et tout faible maintenant. Enfin, c'est tout seul. Il n'y a plus d'alliés qui veulent l'aider parce que ben y a pas grand monde qui veut être à son niveau. Moi des alliés ben, je peux plus en avoir. Boras et Axou, en fait, je suis pas allé, c'est juste parce que c'est un peu chiant, c'est tout. Là, je fais un peu chier, donc du coup, bah.
Il y a Maka et Utia. Utia, c'est cette petite bouse-là. Du coup, on va dire, hop. Ouais, on va faire l'enculé, on va acheter les mercenaires avant qu'ils puissent les prendre. Pourquoi faire? Bah ça l'emmerde simplement. Il va demander à Mardren là, de se bouger le cul et de le faire, pardon, de faire un peu d'effort. Voilà, par contre il y a 15 000 connards qui sont là-haut et qui ont plus de morale. Bonne nouvelle pour moi. Regardez, ça change encore de place. Ça faudra qu'on m'explique par contre. Si vous avez l'explication, les gens, dites-moi, ça m'intéresse beaucoup. Là voilà. On va lui piquer sa forteresse ici. Ah, j'ai compris, regardez, bon. Je vais prendre que ça. Et c'est parce que je vais prendre celle-ci, parce que j'ai pas la forteresse ici. Bon, c'est déjà assez suffisant. Waouh! Et bim! Ah, elle a pris tellement cher, ça de mouille là, la Macédoine. Bon. On va s'occuper des autres canards maintenant. Voilà, on va se remettre ici. Les autres connards. Hop, là, bougez pas. Non, c'est à Chypre pour la prochaine guerre. Oui, blabla, vous expansion agressive. Ah, pas assez de gouverneur ici, donc. En bas, ça doit être qui? Toi? Non, de faire une conversion religieuse. Et en Grèce, on va mettre un mec qui va faire un petit peu de...